jouer avec la Corée. Corée, où es-tu, chère Corée? Capitalisme d'État. Hop, voilà. Je viens d'absorber la Corée. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, 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 très bien. Ah, je repère de la population aussi. Alors, citoyenneté complète. Très bientôt, il va y avoir une élection. Interventionnisme. Ouais, je suis un peu une girouette en politique avec en ce moment. Lüdeberg. On va leur faire la guerre. Diplomatie. Donc d'abord on va regarder combien je leur ai prêté. 19 000. Bof. C'est pas si important que ça, c'est surtout les États-Unis à qui il va falloir que je fasse la guerre si jamais ils veulent plus des. Si jamais ils veulent pas me rembourser. Hop. Ah bah vous voyez, 100,11%. Libre-échange. Voilà, système de conduite de tir. Alors, école navale, spécialisation du travail. Hop, je me suis encore fait discréditer en Belgique. Ça devient difficile d'obtenir la Belgique. Conservateur et réactionnaire, toujours. Encore un parti républicain. Des possibilistes, c'est joli comme nom de parti, les possibilistes. Donc voilà, ça c'est en train de se régler. Hop, on envoie ça à des potes. Et là, on espère qu'il. Alors, ça finit quand le système de conduite? Le 23 mai. Et après, il va falloir qu'on cherche du chemin de fer ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai quoi? J'ai des libéraux. J'ai des socialistes qui viennent d'entrer au gouvernement. Ça, c'est intéressant. Les socialistes, ils veulent des réformes sociales. Voilà. J'ai 1,4% des gens qui veulent des réformes sociales. Ça y est. Ça, c'est très bien. Bon, je me fais discréditer en même temps, mais. Mais au moins, l'avantage, c'est que je commence à avoir des systèmes intéressants dans mes gouvernements. Ça va devenir vraiment très, très, très intéressant prochainement. Donc, eux, ils sont. Sont en train de se faire la guerre sur un truc comme ça. Hop, j'ai inventé la conduite de tir. Donc on va aller faire. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va faire de l'associé. Bah. On va faire ça. Et je peux jouer avec la Belgique. À la fin de l'autosave. Belgique, 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 Belgique. Alors, il faut que je discrédite le Royaume-Uni, sauf que je ne peux pas. Bon. Je me suis encore fait virer. J'y arriverai pas avec la Belgique. Pourtant, ça sera intéressant. Tiens, je suis le deuxième en prestige, je viens de dépa j'ai dépassé les États-Unis. Oh, les États-Unis se sont fait enterrer dans le classement des grandes puissances, dis donc. Mais la Prusse est en train de sacrément monter, hein. Il va falloir que je fasse attention si je ne veux pas me faire dépasser par les Prussiens. Donc l'associantisme. L'associatio-diatétisme.
va finir de se rechercher vite là. Hop, 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 on se dépêche. Et comme ça, derrière, ouais, je vais rechercher du chemin de fer, hein, parce que là, ça. Là, ça va. C'est en train de me poser problème. Alors, le socialisme augmente. C'est en train de me poser problème. Il va falloir que j'améliore mes chemins de fer. C'est bien, les autres pays commencent aussi à faire des chemins de fer. Ah bah là, l'association asiatitisme. Industrie rail en fer. Rechercher les rails en fer. Voilà, donc je peux jouer avec Wurstenberg, mais je l'ai. Oh. Hop. Général Robert Machin est mort. Ok. Pas grave. Il me semblait que Wurtemberg, je les avais dans ma poche tout à l'heure. Quelqu'un m'a piqué Wurtemberg. Holstein, bon, c'est pas un problème. Ça ne m'intéresse pas présentement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de finir de construire tous les machins qui sont en train de se construire là. Alors, j'ai inventé le télémètre optique. Toujours pratique. Quelques chômeurs en Île-de-France. La population, comment tu vas au niveau de tes besoins? Vito, tu vas très bien. Au niveau de tes besoins quotidiens, tu vas pas hyper bien. Parce qu'il te manque du charbon, du verre, du pinard. Attends, du pinard, ça, il me semble que j'en produis à ne plus savoir quoi en faire. Alors, les socialistes continuent à monter. Tout doucement, tout doucement. Paf. Ça, c'est réglé. Je commence à avoir vraiment beaucoup d'usines. Alors, une jeune fille est morte dans un accident de mine de charbon. Hop, d'accord, merci la Prusse. Ça, on va augmenter parce que ça, c'est de l'alcool et ça, j'en ai méchamment besoin. Ça, on va augmenter. Ça, on augmente, ça, on augmente. Et donc, la Picardie, c'est une région très industrielle qui gagne très très bien. Hop. Ah, d'accord. Ah, eux, ils sont déjà en train de monter. Et voilà, on a tout fait. Investissement à l'étranger. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Hop, j'envoie du coton à mes voisins. Donc je suis en train de finir de rechercher le rail en fer. Et de faire une autosave, bien sûr, parce que ça c'est toujours le problème. Et voilà, le rail en fer est trouvé. Donc là, du coup, tout le monde a dû commencer à améliorer son chemin de fer. Voilà, ils sont tous en train d'améliorer leur chemin de fer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir faire de la pensée idéologique. Je pense que ça va être très, très, très intéressant. Et après, on va faire de l'empirisme. Ce qui devrait arriver extrêmement. Si je mets pas en pause, ce qui devrait arriver très rapidement, puisque. Alors, Étienne machin est mort. Ok. Tout meilleur, je n'utilise pas mes généraux, donc ils peuvent mourir. C'est pas très problématique. Ils sont tous en train d'agrandir les chemins de fer directement, ça c'est bien. Ben, rien à faire, tout est. Charles de Gaulle est mort. C'est le générateur de noms aléatoires, c'est un peu lâché là-dessus.
Voilà, donc ça, la pensée idéologique, très bien. Donc les socialistes continuent à monter. Est-ce que je pourrais prochainement tenter de faire une réforme? 35%... 2%, ça va être rude d'aller réformer. Allez, la pensée idéologique. Alors... Là, pardonnons. Ma population monte un petit peu. Belgique, mais bien sûr que non, je peux rien faire avec la Belgique. Je suis toujours... toujours bloqué par l'Angleterre sur la Belgique. On a obtenu humilié. D'accord. Hop, ça y est, j'ai fait la pensée idéologique. J'ai inventé la société par réaction, la hiérarchie et contrôle du travail. Armand Foch est mort, je peux faire de la réforme. Enfin, pas de la réforme, mais je peux prendre une décision. Donc... Le tombeau de Toutankhamon. Zut! Ça, je voulais le faire. Allez. C'est méchant ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Empirisme, c'est parti. Maintenant, les Allemands sont plus mes potes. C'est pas grave, ils vont redevenir mes potes bientôt. Belgique, Belgique, Belgique. Bien sûr, je ne peux pas discréditer le Royaume-Uni. J'ai inventé la laïcisation, donc ça m'augmente mon pluralisme, ça c'est très bien. Mes points de recherche sont en train d'exploser, ce qui est très bien aussi. Plus je recherche vite, plus ça va être intéressant. Les élections ont commencé, d'accord. J'ai encore été discrédité. Question de principe, on s'oppose. Et non, je peux rien faire avec la Belgique, idiot. Pleine citoyenneté. Alors, j'ai pas regardé où est-ce qu'on en était au niveau des élections. Interventionnisme. J'ai pas regardé où est-ce qu'on en était au niveau de la répartition des gens. Il n'y a aucun dieu. Dieu est mort. Alors... La guerre n'est jamais une bonne solution. Ah, je me suis fait dépasser par quelqu'un en prestige. Qui donc a osé me dépasser en prestige? Les États-Unis. Bande de petits bips. Il n'y a aucun dieu. Quand est-ce que je vais avoir un nouveau parti? Le 23 février. La paix prédominera toujours. Février 23. Des orléanistes, des républicains, des libéraux, des conservateurs. Bon, c'est encore des réacs qui sont au pouvoir. Mais ça commence à changer sympathiquement. J'ai découvert l'athée, j'ai découvert la conscience. Parfait, 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 parfait. Voilà, parfait. Vous avez vu, je pousse à fond dans les mines. Ça ne m'étonne pas plus que ça qu'il y ait quand même pas mal de morts. Au bout d'un moment, il va falloir que je pense à modifier mon truc. Constitutionnalité, à impressionnisme, autosave aussi. Conduite de dire gyrostabilisé. Machin est mort. Non, il faut que je perde l'habitude d'appeler mes trucs machin. Hop. Soutenons nos hommes.
J'ai inventé la justice sociale, les chemins de fer sont en train de finir absolument partout en France. On peut voir tous les chemins de fer qui finissent en même temps, là. Voilà. Empirisme. D'accord, d'accord. Individualisme. Hop, on va faire des plans de campagne. La paix l'emportera partout dans le monde. Ah oui, d'accord, ça commence à rechercher vite, là. Zut. Mon expédition botanique est morte. Bon, dommage. Ouh, je peux réformer, je peux réformer. Wouhou, réforme. Donc j'ai des mouvements pour quoi? C'est les allocations chômage. Ça va être dur, hein. Personne n'en veut, personne n'en veut. Jefferson, personne n'en veut. Ouais, 21%. C'est parti pour les syndicats. Les élections, les bonapartistes. Eh, ça va devenir rude là, j'ai commencé à avoir du mal à m'en tirer avec les bonapartistes là. Avec 1865, on commence à arriver à la fin du Second Empire napoléonien. Grave insulte. Hop. J'ai inventé le pragmatisme. Édouard Manet. Allez, j'y jette un dernier coup d'œil. Un de nos chefs militaires, Jules Hoche, est mort. C'est dommage. Ah bah dis donc. Tous mes chefs militaires décèdent en groupe, là. Ils se sont passé le mot, quoi. J'ai inventé le collectivisme. Alors, la chimie minérale, le fer peu coûteux, pièces interchangeables, les théories collectivistes, la gestion scientifique, les banques d'affaires, les banques d'affaires. On va faire des affaires. Ah 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 ah. Ah. Les États confédérés d'Amérique ont fait faillite. Bon. Budget. États confédérés d'Amérique. Là, c'est... Écoute, bonhomme. On est gentil. Quoi? J'étais pas censé avoir... Mon casus belli, là-dessus. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Parce qu'ils sont en faillite. Ils ont quand même une énorme partie. État confédéré d'Amérique. Zut. Ça va me coûter cher, cette blague. Bon, heureusement que j'ai inventé la banque d'affaires. La Confédération d'Amérique, ils ont quand même... Il y a un million ou un millier... Ouais, un million. C'est compté en milliers, donc j'aurais filé un... Heureusement que j'ai beaucoup de fonds propres, hein.